Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance lundi 4 octobre. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts à démarrer cette semaine du meilleur pied, du bon pied. On y va, j'étais un petit peu perturbée, on va commencer par cet oracle, on va aller voir ce qu'on a à nous dire. Pour ce lundi 4 octobre 2021, quel est le message pour tout le monde, s'il vous plaît? Vous avez vu? J'ai changé un petit peu ma déco, là je l'adapte aux saisons. Je me suis arrêtée, on y va. L'oracle, très jolie carte, vie sacrée, communication avec les esprits, intervention divine. Bon, eh bien, pour certaines d'entre vous là, eh bien, vous vous ouvrez de plus en plus aux énergies, vous vous ouvrez de plus en plus aux guidances comme celle-ci, vous vous ouvrez de plus en plus à l'astrologie, voilà, à tout ce qui est irrationnel, vous vous ouvrez à la communication avec les esprits, avec l'au-delà, et vous faites de plus en plus attention aux interventions de l'univers, hein, aux signes, aux synchronicités, et je dirais même que pour certains d'entre vous, vous adaptez votre vie, hein, cette vie sacrée, hein. Là, vous mangez correctement, vous avez décidé de vous alimenter correctement, vous méditez, vous faites du yoga, vous écoutez des guidances, vous êtes dans l'éveil spirituel. Là, vous êtes vraiment dans l'écoute de l'oracle, de votre oracle intérieur. Vous suivez vos ressentis, vous suivez vos intuitions et vous êtes de plus en plus aligné avec ce qui vous est destiné. Voilà, mais c'est très joli. C'est très très joli. Donc là, on est dans dans des énergies, là, en ce lundi 4 octobre, de vie sacrée, voilà, d'authenticité, on est tel que l'on est, avec nos intuitions, nos ressentis, notre vulnérabilité, et on fait attention à tous ces signes, à toutes ces synchronicités. On commence à avoir un rituel de vie là, un quotidien qui est plus spirituel dans certains gestes, dans certains comportements, on est plus authentique. On est plus cohérent dans nos valeurs, dans ce qu'on a envie de vivre au quotidien. Bon, ben ça commence fort. On va aller voir avec le voyageur sacré ce qu'on a à nous dire pour ce lundi 4 octobre 2021. Pour tous ceux qui verront cette vidéo, s'il vous plaît, quel est le message? La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Bon, ben voilà, ça rejoint vraiment cette vie sacrée, hein. Donc on s'ouvre à la joie, l'enchantement, il y a quelque chose en lien qui s'ouvre, qui grandit, qui évolue en lien avec notre enfant intérieur, hein. Là, on décide vraiment de s'entourer de gens qui vont nous procurer cette joie, qui vont égayer nos journées, qui vont faire que notre quotidien va être magique en fait, hein. Donc là, on s'entoure de gens qui nous ressemblent, hein. On a envie d'authenticité, on a envie de joie, on a envie d'amour, on a envie de paix, et c'est ce qui nous attend en fait, hein. C'est ce qui nous attend, hein. On est dans, voilà, on veut de la joie, de l'enchantement, on est dans la joie, dans l'enchantement. Bon, je la mets là, et on va prendre une carte de la féminité sacrée. Quel est le message pour toutes les personnes qui verront cette vidéo en ce lundi 4 octobre 2021, s'il vous plaît. Moi, je m'arrête là. La druidesse de la générosité, bon, chakra du plexus solaire, hein. Vous voyez, hein, chakra du plexus solaire, c'est la joie, c'est la confiance en soi, l'estime de vous, voilà, la joie, hein, la joie, le bonheur, donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. On est vraiment dans ça, hein. Vous voyez, je le ressentais dès le début, on est vraiment dans cette espèce de vie sacrée, hein. On est généreux, on donne, on est bienveillant. On fait partie d'un groupe, d'une communauté qui nous ressemble, qui vibre comme nous, qui pense comme nous.
et qui voilà, qui a les mêmes valeurs que nous. On est généreux, on a envie de voilà d'être bien et d'être à ce nouveau rythme, d'être en phase avec ce nouveau rythme qu'on souhaite, hein, qui est aligné avec plus de paix, plus de joie, plus de voilà de bonté, plus de bienveillance. Hein. C'est très très joli, très très joli. On va aller voir avec les tarots ce qu'on a à nous dire pour ce lundi 4 octobre 2021. Quel est le message pour toutes les personnes qui verront cette guidance? Quel est le message? Alors, nous avons le 2 de bâton. Nous avons le 2 de bâton et nous avons la roue. Bon, il y a du mouvement. Oui, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a du changement. On va recouvrir un petit peu. Donc, le 2 de bâton, nous avons le 2 de coupe, 2 de bâton, 2 de coupe. Et en dos de deck, nous avons le 9 de pentacle, le 6 de coupe et le 8 de bâton. Bon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On va commencer par le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il nous dit que qu'on est bien sûr dans une certaine vision, d'accord? On est dans une certaine vision, on est dans certaines décisions, certains choix. On est aussi dans la découverte, hein. Vous voyez cette fille qui regarde par la fenêtre, elle a des décisions, elle a des choix à faire, mais elle est aussi inquiète, elle a peur, elle hésite, elle est dans une certaine incertitude. Peut-être que, oui, elle doit sûrement avoir peur, hein. Vous avez peut-être peur, vous hésitez peut-être, hein. Vous êtes incertain face à un choix que vous devez faire, à une décision que vous devez prendre, hein. D'accord? Donc en ce lundi 4, on a une décision à prendre, on a un choix à faire, hein. D'accord? Pour nous mener vers le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est quoi? Le 9 de pentacle, c'est clairement l'énergie matérielle, l'énergie financière, hein, et c'est l'abondance, hein, c'est vivre dans l'abondance, on récolte, on est autonome financièrement, on est en paix, on est dans la sécurité. Donc il y a des choix à faire, des décisions à prendre qui vous font peur et qui sont liées à votre confort financier, peut-être à un contrat de travail. Peut-être que vous aurez le choix entre deux contrats de travail, hein. Peut-être que vous allez avoir des propositions et vous êtes indécis ou indécis sur la décision à prendre, hein. Mais on me dit que il va y avoir du mouvement. C'est une carte majeure, la roue, hein. Il y a du mouvement, il y a un coup du destin là, il y a un imprévu, il y a quelque chose qui fait que eh bien la roue va tourner, hein. La roue va tourner et ce mouvement, que ça va vous apporter en ce lundi 4 va concerner vos émotions, va concerner vos sentiments, hein. Le 6 de coupe, c'est la vulnérabilité, c'est l'amour de soi, c'est l'innocence, hein, et bien sûr, c'est la nostalgie, hein, de ce que vous étiez avant, de ce que vous auriez pu être, etc., etc. Mais là, il y a une union, hein, le 2 de coupe, c'est aussi, aussi les émotions, mais c'est un partenariat, on s'entend bien, on se comprend, on a les mêmes valeurs, les mêmes visions des choses, c'est vraiment le partenariat, l'union. Donc là, pour moi, vous allez, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que vous allez prendre la décision qu'il fallait, en fait, hein. Par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui, à ce dont vous avez envie, vous n'avez plus envie de refaire les mêmes erreurs, hein, professionnellement, hein, parce que ça peut impacter votre comportement émotionnel, hein, ça peut impacter votre confiance en vous, hein, l'amour de vous, hein, l'estime de vous-même, hein. Donc là, pour moi, vous allez faire un choix, ce ne sera pas un choix financier, hein, ça sera vraiment un choix mûr, un choix de sagesse, hein, j'entends. D'où ces coupes-là, hein. Regardez, ça arrive vite, hein. Le 8 de bâton, c'est un mouvement, un changement rapide, mais ça rappelle aussi la roue, là, hein. J'allais dire la roue de la fortune, mais il y a un changement rapide, voilà.
y a un changement rapide qui fait que vous allez prendre la bonne décision pour vous et de manière émotionnelle. Là, ça sera plus une question financière, ça sera comment vous percevez les choses et comment vous avez envie d'avancer dans votre vie et quelle proposition sera la plus adaptée à ce que vous êtes aujourd'hui actuellement. N'oubliez pas, vous êtes dans une vie sacrée, donc là, vous vous écoutez plus, hein. Vous ouvrez votre cœur, vous vous écoutez plus, vous êtes plus dans la bienveillance envers les autres, mais aussi envers vous-même. Donc, peu importe le package financier de dingue qu'on va pouvoir vous proposer, eh bien, vous allez, il va y avoir il y a un mouvement à l'intérieur de vous qui fait que ça chamboule vos émotions, ça vous bouscule et ça, surtout, ça vous réaligne vers une union. Une union sentimentale, hein, même au cœur professionnel, voilà, vous allez prendre la bonne décision pour moi, parce que vous serez aligné avec vos sentiments, avec ce que vous êtes aujourd'hui, avec cette fameuse vie sacrée, hein, et cette joie, et cette bienveillance que vous voulez vous apporter, apporter aux autres, hein. On va aller voir avec le, on va aller voir, on va détailler avec le 77, hein. Quel est le message pour tout le monde, s'il vous plaît? En ce lundi 4 octobre 2021. Alors, nous avons l'évolution, bien sûr. L'évolution dans vos sentiments, dans vos désirs, dans votre créativité. Hein. Les artistes, là, pour certains artistes, il y a de l'évolution. Et pour d'autres, oui, votre créativité augmente, évolue. Hein, d'accord? Il y a de l'artistique, là. Il y a des choses artistiques qui sont belles. Et puis, vous créez des choses... Vous créez de nouvelles choses et puis vous êtes le créateur de votre vie aussi, il ne faut pas oublier. Hein. Vous avez votre libre arbitre, votre discernement, vos choix, ce sont vos choix, vos décisions et pas ceux des autres. Hein. On va aller voir avec le tirage en 10, regardez, vous êtes protégé. Bah oui, vous êtes protégé, il y a quelque chose qui est protégé. Qu'est-ce qui est protégé? Votre vitalité, votre santé, votre bien-être. Vous avez envie de protéger votre vitalité, votre santé, votre bien-être, vos émotions. D'accord? Pour une évolution. Et oui, pour une évolution. Donc là, vous allez faire en sorte non seulement d'évoluer professionnellement, mais d'évoluer dans un environnement qui vous convienne émotionnellement, de manière sentimentale. On va aller voir le deuxième rang. Regardez, il y a un retournement de situation positif. On a quand même deux fois la roue et la rapidité, le mouvement avec le 8 de bâton. Hein, d'accord? Donc... il y a des passages à l'action, là, on vous dit de garder espoir, il y a quelque chose qui s'éclaire en vous, hein, au niveau de votre arbre de vie, au niveau de votre vitalité, il y a quelque chose qui s'éclaire en vous et on vous dit de garder espoir parce qu'il y a du mouvement, parce qu'il y a un retournement de situation, malgré vos doutes, vos questionnements, d'accord? On va aller voir ensuite la troisième ligne, on vous dit oui. Si vous attendiez un signe aujourd'hui, on vous dit que oui, ce retournement de situation est protégé. C'est un grand oui, d'accord? Ça arrive vite, hein. On a deux cartes aussi de rapidité, de mouvement rapide pour une rupture avec ce qui ne vous convient plus en fait. Hein. Une manière de penser, une manière de travailler, une manière de... Non, on dit non à une manière de... une ancienne manière de travailler, de penser, de collaborer. De travailler aussi, hein, d'accord? Oui, on dit non à certains projets, on dit non à certains déplacements et on aura des discussions de cœur à cœur sur ce sujet pour aller vers une meilleure abondance de vie, j'entends, d'accord? Et pas seulement de financier, hein, financier. On trouve le repos, et oui, on trouve le repos. Pour un meilleur épanouissement de vous-même, de votre famille, hein, de votre intériorité. Hein. C'est très joli, c'est très 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 joli. On va aller voir le sentimental. Quel est le message pour tous ceux qui verront cette vidéo en ce lundi 4 octobre 2021, s'il vous plaît? Quel est le message pour tous ceux qui verront cette vidéo? Nous avons nouveau départ, hein, changement. Et oui, le papillon, c'est le changement, c'est la transformation, c'est le nouveau départ. Il y a un amour véritable là qui arrive. Hein. Ou alors c'est la personne avec qui vous êtes en couple. Votre relation change, les énergies changent. Comme vous êtes en train de guérir de l'intérieur, forcément, ça se voit à l'extérieur. Hein. N'oubliez pas que les situations à l'extérieur sont le miroir de ce que vous avez à guérir à l'intérieur de vous. Quelqu'un qui vous énerve, allez comprendre, allez voir pourquoi il vous énerve. Qu'est-ce qui vient bousculer chez vous? Qu'est-ce qui vient gratter? Qu'est-ce qui vient vous dire, hein,
Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette émotion de colère, d'énervement, d'accord, ou de peur, hein? Pourquoi cette personne, elle vous fait peur, hein? Mais là, on me dit, nouveau départ. Alors, peut-être que vous êtes déjà en couple et là, vous mettez de nouvelles bases. Vous avez communiqué. Voilà, ce n'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre. Vous vous aimez et même s'il y a beaucoup de problématiques, peut-être de non-communication, eh bien, l'amour est plus fort que tout, on me dit, et vous allez repartir sur de nouvelles bases. Hein, d'accord ? Et pour d'autres, bien évidemment, il y a un nouveau départ puisqu'il y a une nouvelle rencontre qui est pour vous sincère et qui est dans cet amour véritable, d'accord ? Ou, en ce lundi 4 octobre, vous allez faire la rencontre d'un amour véritable, d'accord ? On vous dit de rester silencieux sur cette nouvelle relation, on vous dit de rester discret sur cette nouvelle relation parce qu'elle commence tout juste. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a le poids des familles, il y a le poids des responsabilités familiales qui vous pèsent, hein, d'accord ? Et malgré ce poids et cette pression familiale, vous avez le désir de vivre une passion, un amour véritable, quelque chose de fort. C'est très joli, c'est très 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 joli. Très très beau. On va aller voir la fin de ce tirage, de cette guidance avec les portes de l'intuition. Quel est le message pour tous ceux qui verront cette vidéo en ce lundi 4 octobre 2021, s'il vous plaît. Nous avons la chance, croyant votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Oui, bah bien sûr, restez positif, tout peut arriver. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Oui, soyez plein de gratitude pour cette chance qui vous est amenée, ces nouvelles énergies. Soyez plein de gratitude pour toutes ces leçons de vie, ces apprentissages, hein, qui vous font grandir, hein. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Bien sûr, à partir du moment où vous éclairez une situation, vous éclairez une émotion, un sentiment, vous éclairez un blocage, eh bien, vous commencez la réparation à l'intérieur de vous, dans votre couple, au sein de votre famille, au sein de vos relations professionnelles, hein. Et l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout, d'où le fait de vivre aujourd'hui cette vie sacrée, vous vous souvenez, hein, vivre la vie sacrée, rester dans la générosité, dans la bienveillance, dans la gratitude, hein, vraiment, c'est de belles énergies d'ouverture, hein, qui vous apportent des réponses sur des décisions et des choix que vous aurez sûrement à faire en ce lundi 4 octobre, hein, d'accord ? On va aller prendre une carte des anges, allez, allons prendre une carte des anges, quel est le message en ce lundi 4 octobre 2021, pour tous ceux qui verront cette vidéo, s'il vous plaît. Nous avons les synchronicités. L'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement. Et oui, suivez les signes, hein. Suivez les signes, vous êtes guidé l'éternité. J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme, alors j'ouvre les portes de mes souvenirs. Oui, souvenez-vous de qui vous êtes vraiment. En toute honnêteté, en toute transparence, en toute authenticité. J'ai même un autre message, hein. Vous êtes guidé pour aller voir qui vous êtes vraiment, qui vous êtes pleinement et comment vous réalisez. Donc, n'hésitez pas à aller voir pour certains d'entre vous, la bibliothèque, votre bibliothèque akashique. Il y a des thérapeutes qui font ça, qui vous ouvrent vos bibliothèques akashiques, hein, qui sont la bibliothèque de toutes vos vies antérieures, hein, de ce que vous auriez pu être dans d'autres vies, hein. Ça peut vous éclairer sur ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, sur les blocages que vous êtes en train de vivre, les relations karmiques et les difficultés transgénérationnelles que vous pouvez avoir avec vos parents ou certains membres de votre famille, hein. C'est très enrichissant les bibliothèques akashiques, hein. On apprend plein de choses. Et puis, vous pouvez aussi avoir... c'est une forme de synchronicité. Voilà, c'est vraiment ça. On vous accompagne pour y voir un peu plus clair, en détail, en allant creuser un thème de votre choix. Voilà. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous remercie pour tous vos likes. Merci pour tous ces commentaires, hein.
On discute beaucoup, hein, on papote et voilà, j'ai plaisir à vous lire et à vous répondre. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut parler à d'autres personnes autour de vous. Et à partager ma page YouTube, Nila Guidance. N'hésitez pas aussi à vous abonner en cliquant sur la petite cloche, d'accord, pour recevoir toutes mes vidéos que je poste régulièrement. N'oubliez pas d'activer toutes notifications, hein, parce que pour certains d'entre vous, voilà, vous m'avez dit que vous n'arriviez pas justement à recevoir toutes les vidéos. Voilà, il faut appuyer sur toutes notifications pour que vous puissiez recevoir vraiment chaque notification pour chaque vidéo. Et puis, allez visiter ma page, allez voir mes autres vidéos sur l'éveil spirituel, les pleines lunes, les nouvelles lunes, les guidances du week-end, les guidances du jour, de la semaine et les guidances astrologiques que je poste au fur et à mesure. J'ai déjà commencé à poster les guidances astrologiques. Voilà. Voilà mes amis, je vous remercie mille fois, je suis pleine de gratitude pour tous ces moments partagés avec vous et j'espère vous éclairer au mieux, vous aider au mieux au quotidien. Prenez soin de vous et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à demain. Bye bye.